Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur, comment ça s'appelle, Knowledge Party, ouais, c'est ça, et donc c'est un des jeux Playlink, donc normalement on n'est pas trop mal, qui se joue donc avec les téléphones. Bon, pour l'instant on a un écran noir, et on a merci de patienter, donc j'espère qu'on va pas patienter non plus pendant des plombes. On va vite fixer, hein. On va bien voir, j'ai essayé de mettre une caméra derrière, après je sais pas si vous allez réussir à voir grand chose, mais bon, on va bien voir. Ce qui est chelou, c'est qu'on a un écran noir. Ah, ça y est, les deux joueurs sont connectés. C'est dit, tout le monde. Alors... On va mettre les crayons. Hop là. Je choisis ton personnage, alors on a une roulette. Je vais essayer de vous montrer en même temps. C'est le bordel parce qu'en plus les téléphones sont branchés et tout. Donc, je vais essayer. Ils sont branchés pour avoir le maximum de batterie. Essayer de vous montrer en même temps. Hein. On voit pas grand chose, mais bon. Là on voit à peu près. Donc on a une roulette de personnages. Je vais essayer de zoomer plus tiens, avec la caméra. Ah, des gaines du rose. C'est quoi ça? Voilà, je vais essayer de zoomer. Donc on a une roulette de personnages là. Et donc on peut choisir son perso. De toute façon vous allez les voir à l'écran après. Je vais essayer de parler fort parce que le micro est assez loin. Tiens, celui-là est marrant. T'as pris la saucisse. Je vais prendre la cool girl. Voilà, donc après il faut prendre une photo. Oh. C'est pas compliqué. Moi j'ai une tête. Bon, on voit pas grand chose donc. Comme ça je suis contente. Est-ce bien toi? Ah, attendez, faut faire ça. Aussi de l'autre côté donc. Deux joueurs sont connectés. Commencez. Ah, faut rester appuyé sur le commencer. Salut, donc c'est un truc un peu comme Buzz. Ouais. Ouais, mais je peux pas mettre trop de son. Dans l'oreille. Sinon on va avoir... De l'écho, ouais. De l'écho dans le micro. Voilà, et voilà ma gueule. Ah bon, ça me l'avait proposé, mais j'ai pas réussi à le faire, du coup ça l'a pas fait. Je suis pas trop dézoomé. On va laisser comme ça. C'est pas plus mal comme ça, on va voir. J'ai mis ta photo. En saucisse. T'as une bonne tête. J'ai une bonne grosse tête de saucisse. Ah, pour essayer de s'approcher un peu du micro. Lui, normalement, ouais, c'est bon, il enregistre bien et tout, parce que... Il va falloir faire attention à plein de choses parce qu'il y a l'ordi entre nous deux là. Il y a des fils partout, entre les fils du micro et tout. Il y a un chat. Colin. Choisissez une catégorie. Oh là là. Le monde d'aujourd'hui ? Ben non, mais tu dois pas. Tu choisis une catégorie, t'es pas obligé de. Faut pas qu'on se mette d'accord. Ah. Je sais ce que tu vas prendre. Ma gueule en saucisse là. t'as du temps quand même. Ah bon ? Oui, il y avait du temps pour choisir. Alors après, je vous garantis pas qu'on va savoir répondre à, à toutes les questions, hein, parce que... T'as tellement une bonne tête de saucisse. Parce que ça sent un peu la catastrophe. Donc ça, en fait, ouais, c'est les jeux Playlink de Sony. De quel pays cette fausse farce est-elle une spécialité ? Mon Dieu. Je vais dire ça, mais... J'en ai aucune idée. C'est l'Écosse. De brebis. De brebis ou je sais pas. Alors, on nous emmène cette question. Choisissez une autre porte pour le savoir.
Chacun de vous a un privilège qui lui permet de dominer ses concurrents et de devenir le maître incontesté du savoir. Oui. Non, mais même ta danse, elle est magique. Ouais. Bon. Essaye de comprendre en même temps. Bon, en fait, à l'écran, il se passe pas grand-chose sur le téléphone. Ça te sert de buzzer, quoi. Je vais voir. Voilà, après, on est que deux, donc du coup, les punitions, ça va être vite fait. Mais c'était vraiment pour voir... Ah, c'était sûr. J'étais blobé, moi. Mais flobé, flobert. Et on ne sait pas. D'accord. Vous avez choisi de vous distinguer. Intéressant. Avons-nous un vainqueur ? Là, j'essaye en même temps de me foutre à peu près au niveau de la caméra pour qu'on voit. Donc là, vu que j'avais la glace, il fallait que je tapote sur les réponses pour les enlever. Enfin, Et toi, il fallait que tu nettoies, ouais. Bon. Ah, c'est une chanson à chaque fois. J'essaie de zoomer un petit peu. Une chanson, une réponse à chaque fois. Pas d'accord ? Aucun problème. Je vais faire jouer le hasard. Le hasard, ouais. Oh, Glu, c'est pas le moment. Une tête de chat. Bon, on va jouer à deux. Noon, tu m'aides pas beaucoup, là. Donc, voilà, quand je vous dis que j'ai un chat qui m'emmerde quand je fais mes vidéos, vous comprenez maintenant ? Voilà. Bon, je parle avec handicap, hein. Apparemment, je t'ai lancé une cerise. C'est le moment de la question. Quelle chanteuse veut faire la fête dans Get the Party Started? C'est quoi la chanson? Je sais pas qui c'est. Mais... Bon. J'ai droit à des points en plus pour le handicap ou pas? Divergence d'opinion. L'un de vous a-t-il raison? Ah ouais. On est vraiment nuls, hein. J'ai pas reconnu le titre. Bon. Moon. On est vraiment nuls et en plus on n'est pas aidé. Ça ne peut vous dire qu'une chose, vous êtes très nuls. J'ai eu une bonne réponse. Ça, je sais que ça va vous plaire. C'est l'heure de la combinaison gagnante. Le jeu consiste à glisser d'un mot à l'autre pour créer une combinaison. Dès que vous trouvez la réponse, les mots disparaissent et sont remplacés. Associez le dessinateur à son œuvre. Mon Dieu. Oui. Je suis pas bien là. Et c'est qui ça? Et non, mais bouge pas toi. Si tu veux t'installer, tu bouges pas. Bon. On va voir qui a gagné. Là, fallait relier les réponses au truc en fait. Monsieur Dog. Il est temps de choisir une autre catégorie. Petite divergence d'opinion. Jouons là au pile ou face virtuel. Cette quel danse. Attention, parce que ça aujourd'hui. Quel dérangé. Pouvoir.
prendre la place à boule de poil là. Parce que si je te vire, de toute façon tu vas venir. Donc, pourquoi je suis à moitié gelé quand même? Oh. Ah oui. Ah merde, je casse. Pourquoi moi j'avais les deux? Parce que j'avais un double pouvoir. C'est pas juste. Allez, le chat, bouge. Non, bouge. Allez, laisse-moi jouer. Bon. Oh merde, je pensais que t'allais prendre voir. Ça aurait été drôle. Genre, je suis un alcoolo. Non. Mais pourquoi t'as le double? Parce que c'est la vie. Marrant comme jeu. Comme ça. Ah oh, bah là oui quand même. Un peu nul mais il y a des limites. Bon ouais, j'ai essayé de filmer un peu les écrans, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ils sont trop lumineux. T'as pris quoi? On se met d'accord? Non, on va pas se mettre d'accord. C'est... Le but, c'est pas de se mettre d'accord. Ça y est, elle revient l'autre, là. Bah oui. Vous l'avez vu, c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Hein. Mais il y a un autre jeu Playlink qui m'intéresse bien et qu'on vous montrera peut-être au mois de janvier aussi parce que ça m'intéresse bien aussi de le faire. Ça peut être marrant. Tu sais que tu casses lourd le chat là sur le bras. Bon, puis ça, évidemment, c'est des jeux à jouer normalement à plus que deux. Hein. Oui, bouge. Mignonne, je t'aime beaucoup, mais. Ah, bouge. Pff, j'en ai aucune idée. Ah. J'essaye de virer le chat. On a, affaire à un chat qui n'est pas du tout têtu en plus. C'est vrai que j'aurais dû prendre en photo pour en photo en fait. Mmh. C'est le chat qui joue, c'est pas moi. Oh mon pull. Tout poilu. C'est l'heure où chaque chose a sa place. Où vous glissez et triez. Tout ce que vous avez à faire, c'est placer l'élément au bon endroit en le faisant glisser à droite ou à gauche. Facile. Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux. Oh, le chou est dur. Alors. Ah mince, je suis con. Je le savais. Oh, les automatismes. Trop, n'importe quoi. T'es censé me battre là-dessus, hein. Mais oui, mais c'est... les habitudes. Bien sûr que je les connais par cœur. Normalement, là-dessus, je suis battu, hein. Non, mais il y en a deux, c'est... je les ai mis dans ma catégorie juste parce que... tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à gauche, bah forcément. Il n'y a qu'un vainqueur, et c'est notre cavalière en assaut.
Ouais, mais là-dessus, c'est sûr, j'étais battu. Regarde, elle va venir de l'autre côté, hein. Regarde ça. Non. T'es relou. Et encore, il n'y en a qu'un seul. Oui, t'es mignonne, mais reste là. Tu vas me faire des conneries avec tous ces fils. En vrai, ses pouvoirs, en fait, ils servent à punir celui qui gagne, en vrai. Ça ralentit un petit peu. Quand on joue vraiment à 4, 5, 6, il faudrait qu'on fasse ça un jour, qu'on invite du monde, ouais. Qu'on fasse une grosse vidéo. Un peu de même. T'as vu quand il a dit, c'est chiant, hein. Tu vas prendre les calculs, bien entendu. Bah oui, attends. C'est tellement ton truc, les maths. Je suis tellement fort avec ça. Je suis mal. Petit dérangé, là, comme ça. Sexy. Il faut faire attention en ce moment, c'est pas très bien vu de faire ça, quand même. Mais... Blop. Non, t'as les deux. Double blop. Voici la question. Dès 1980, quel outil informatique servait d'annuaire électronique au foyer français? Attends, ça m'a retiré des lettres. Ouais, c'est la petite cerise là. Enfin, le petit machin rouge. Ouais, c'est même pas une cerise en fait, c'est un pompon et des antennes. Tu gagnes quand même. Hein. Ouais, parce que j'ai dû répondre tout petit peu plus vite, mais de pas grand chose. Non, c'est sur le Seigneur des Anneaux là. Et puis Game of Thrones là. Ouais. Surtout. Ah bah, si je me faisais battre ça avec toi. Ça aurait pas été normal. Pareil pour une dernière démonstration de l'esprit. C'est le dernier pouvoir. Ensuite, la partie est terminée. C'est peut-être la première partie de la partie. Deux pour le prix d'un. Ah, faut que j'évite les espèces de grosses bestioles en plus. Deux bonnes réponses. Voilà, t'as répondu plus vite, donc t'as plus de points. Ouais, mais t'avais de l'avance. Un petit peu, oui. La fin de notre aventure approche, mais un dernier défi vous attend. Ah ah! Non! Ouais. Ah oui, ça j'avais vu une vidéo là-dessus. Oh, ça y est, elle va se foutre devant la caméra. Voilà. Ça c'est quand t'as un chat. Il en a rien à foutre en fait, il passe. Puis... Et là, il y en a qu'un. L'hôtel d'or. Mais non, mais laisse-moi mes points, toi. Non, mais tu vas monter plus haut que moi.
Ah oui. Nounouille. Compte dommage de différence avec le peu de... La différence de points qu'on avait. Je pense que c'est parce qu'on est que deux. Nous allons maintenant convertir vos réponses en marche. Répondez vite et bien, et vous montrez vite et loin. C'est excellent. On ouvre ses yeux et ses oreilles. Voici la première question. C'est excellent. Une question. J'en sais rien, moi. Moi non plus. Dans ce jeu, la vitesse avec de bonnes réponses est reine. Ah, t'as grimpé de 3 marches quand même. Ouais. L'heure du pouvoir a sonné. Parce que j'ai été plus rapide. Et que j'avais la bonne réponse, visiblement. Plop. Passons à la question suivante. Complétez le nom de cette équipe de football américain, les Miami. Le football américain, faut pas se tromper. Mais non, mais... Je sais pas. C'est la dernière réponse, hein. Je vais tout essayer. Vitesse, 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 et la bonne réponse. Là, je pense que ça peut être marrant à 3-4. Ouais, là, c'était vraiment une vidéo pour montrer. Après, si on peut, je sais pas, inviter du monde et se faire une vidéo à 5, 6... On le fera. Qui joue le rôle titre dans le parrain ? Mais... Ah oui, c'est vrai. T'as mis Al Pacino ? Ouais, je suis pour être film. Pareil. J'avais les deux, mais en fait, j'ai inversé les deux. En vrai, j'ai inversé les têtes. Tu as gagné là, je le sens. Attends, c'est pas gagné encore. Question. On est parti. C'est pas fini. Aux échecs, quelle pièce ne peut se déplacer qu'en diagonale ? Oh là là, les échecs, moi. Je m'en souviens. Non, bah moi j'en ai aucune idée. Il est là. N'oubliez pas, réponse rapide égale marche d'avance. Bon, une question à la con là, où t'as pas la réponse. La technologie. Par exemple. Gadget. Passons à la question suivante. Quelle est la toile de fond de la comédie Ugly Betty ? Oh là là, j'ai jamais regardé ça. Mince. Ah oui, c'est vrai. C'est serré, mais... Oui, c'est l'instant pouvoir. Voici la question suivante. Qui incarne le 9e docteur dans Doctor Who ? Oh putain. D'ailleurs, c'est lequel le 9e ? Ça, j'ai regardé un épisode de temps en temps, c'était jamais le même, alors... Alors le 9e... Oh là là. Je l'ai eu au hasard. Je savais plus qui c'était le 9e. Moi je l'ai eu au hasard, hein, clairement. Parce que moi c'est ça c'est, pas juste. C'est une série, j'ai regardé un épisode de temps en temps, c'était jamais le même. C'est pas juste. Donc après savoir si c'était 7e, 8e, 9e, alors là j'en ai aucune idée. Moi. Voici la question. Comment s'appelle la ville où se déroule l'intrigue de Buffy ? Je sais rien. Si je me gourre là-dessus, Sarah va me buter. Ouais, c'est bon. Ça, je l'ai vu aussi, mais... Toi, tu vois, t'as gagné. Ouais, mais c'était serré, quand même, hein. Allez, la saucisse, là. 420 un petit peu. Merci. C'est quand le carnaval, déjà ? J'en ai vu dans ma vie des saucisses, quand même, viens de dire. On va pas savoir ce que tu fais hein, dans ta vie. Hein. Partagez son contenu ou gardez-le pour vous comme vous voulez. Et si votre tête exprime vos ailes de fierté, je ne crois pas qu'aucun de nous vous en tiendrait rigueur. Voilà, nous y sommes, la partie. Touché pour l'ouvrir. D'avoir joué dans la pyramide et d'avoir été aussi chaud.
Ne jetez pas vos vieilles BD. Un exemplaire du numéro 27 de Detective Comics datant de 1939 dans lequel Batman faisait sa première apparition a été vendu plus $1 million en 2010. Ouais, quand même. Voilà ce que je viens de récupérer comme cadeau. Et voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Et on essaiera de le refaire avec d'autres personnes. Donc, je vais dézoomer un peu. On va se laisser là-dessus et salut tout le monde. Salut.